happen to. Like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a bit of blast, I like taking it fast, I like going to the end and doing it with no class. Trust me on this, the moment you've been waiting for, kiss, kiss, kiss of death. And I'll meet you at the next step, but you can't beat me, so baby get in line and guess where I'm coming from all sides, high above, fire blasting off Monday Nitro. Hand me the keys this motorcycle, let me start it up. Yeah! Vroom, vroom, I'm ready to go. Time to let the Monday Nitro. This is the moment you've been waiting for. Lock up the basement and the front door. No one's coming in, time trial. I'm getting ready, baby, I'm racing all night and wild. Everybody's here waiting to play. My high score stands all day. Yeah, here we go, do not hold me back. Do not try to ride on the back of my motorcycle. Bonjour les gens, comment ça va? Je suis avec CDV, on est vendredi soir. Salut! Ça va? Ah ouais, bon là j'ai une voix caverneuse, je le dis tout de suite, enfin une voix, parce que je ne suis pas chez moi, vous vous en doutez, avec ce micro de médiocre qualité. Mais en tout cas, ouais, donc à part le fait qu'il a fait très très beau et très très chaud et que c'était très très dur du coup, sinon c'était plutôt une semaine sympathique. Même si là quand même, c'est quand même très très dense et on va aller à la fin, on va dire, du championnat, les derniers tournois qui se profilent, l'ultime finale qui est quasiment déjà là, <C'est clair. rire> au moins dans les cœurs des gens, ou peut-être au moins le tournoi de la dernière chance et les grandes finales, évidemment, pour ceux qui auront la chance de s'y qualifier, on sent que voilà, c'est très très intense. Mais vous inquiétez pas, c'est très intense pour nous aussi, quoi. Oui, tout à fait. Mais là, ça va, il n'y avait pas le tournoi de la par équipe, et bizarrement, j'ai trouvé que ça s'était un peu calmé à cause de... Enfin, grâce ou à cause de ça, mais c'est vrai que les trois semaines précédentes avaient été très intenses, en particulier avec toutes les activités qu'on a fait, mais ça ne s'arrête pas. Vous voyez sur l'écran le décompte, les 19h30 qu'il reste avant le départ du tournoi 12, hein, le tournoi de demain après-midi. Et puis sinon, il vous reste plus beaucoup de temps pour grinder. Il reste dans deux semaines, les temps seront finis. Non, on a dit 20h peut-être, 2 semaines et 24 minutes pour le championnat. Donc c'est vraiment la toute dernière ligne droite. C'est dingue. Hein. Ouais, ça va hyper vite. Hein. Même moi, là, entre justement le Tipeee, l'ultime finale et tout un tas de trucs, et l'UD4 qui se profile discrètement. Du coup, je suis là, mais il faut que j'ai le temps de faire mes 1500 points. Et pour l'instant, ça se profile pas bien parce que je comptais faire un jeu cette semaine, j'ai pas eu le temps, quoi. Donc, va falloir que au moins je fasse, que je relève la tête, que je trouve au moins moyen de faire les derniers jeux. Les 1500, ça serait quand même hyper cool. Donc, de toute façon, on a pas mal de choses à faire, comme d'habitude. Alors, peut-être qu'à l'UD4, c'est un truc qui changera. On se focalisera plus sur le championnat pour les récaps, mais bon, on a pris le pli en tout cas. De faire championnat, tournoi, enfin dans l'autre sens d'ailleurs, tournoi puis championnat et plein de trucs. Mais même en enchaînant les wagons, en général ça dure une heure, donc on va pas trop traîner.
Ouais, c'est parti, je commence par le tournoi. Du coup, de demain, dans 19h32, les inscriptions seront finies, donc inscrivez-vous. On fera Super Ghouls and Ghosts, Mario Bros 2, Trails Evolution et Metal Slug X pour le tournoi A. Tournoi B, Castlevania, Nuclear Throne, Lovely Planet. Donc voilà, c'est le wagon qui va vite. Normalement, si vous avez été convié à streamer, je vous ai envoyé un message sur Discord, donc... Tout devrait être bien lancé pour celui-là, ce qui enchaîne parfaitement avec ce qu'il s'est passé il y a une semaine, CDV, il y avait le tournoi numéro 11. Alors voilà, juste une parenthèse, je compte à donner une prostrate aux runners, parce qu'on sait que ça fait que 3 mois qu'ils se sont inscrits, donc tout le monde n'a pas la prostrate pour s'inscrire au tournoi. Ça consiste à s'inscrire au tournoi avant le tournoi, et même si on n'est pas sûr d'être là. Parce que de toute façon, nous on est triste évidemment si vous n'êtes pas là, mais la seule fois où ça nous embête c'est quand on voulait vous streamer, mais en général on fait une démarche, notamment Twin qui va vous voir, et donc on sait si vous êtes là. Donc à la limite si vous streamez pas c'est moins grave, mais dans le doute c'est quand même plus sympa plutôt qu'avoir des gens qui après pleurent parce que il est trop tard. Voilà, je vous invite quand même dans le doute à vous inscrire, vous avez une petite chance d'être là, et normalement il y a, je crois qu'il y a 10 minutes de marge, si je dis ça les gens vont rêver à 15h11 évidemment, mais sur les tournois normalement on a mis 10 minutes de raps dans l'admin pour éviter pour que les inscriptions de dernière minute soient prises en compte. Voilà, donc ça n'empêche pas, inscrivez-vous, c'est cool. Et donc le tournoi de la semaine dernière, c'était un tournoi, donc comme d'habitude, décomposé en deux parties, tournoi A, tournoi B. Tournoi A, pour cette fin de saison, il y a 4 jeux en général, il y avait Lovely Planet, Nuclear Throne, Super Ghouls and Ghosts, Mario Bros 2. Alors Lovely Planet, un podium, Fireman, Taker, Safeage, deux joueurs, Taker et Safeage, au-dessus des 200 points, donc c'était vraiment très très propre, hein. 204 points, 10-28 pour le meilleur temps. Nuclear Throne, on avait également un podium très sympathique, même si ça a été un peu l'hécatombe sur ce tournoi. Nuclear Throne, beaucoup de bons runners même n'ont pas réussi à terminer, donc ça a été assez compliqué. Fireman, une fois de plus, fait un podium, 187 points. Armentis, son 9-39 et à la médaille d'argent. Et Renaud Zilot, 9-11. Départ sur le chapeau de roue, mais malheureusement Renault avait fait un monde 2 sur le Blue Planet, ce qui du coup était un peu dommage, mais en tout cas très beau Nuclear Throne. Super Ghouls and Ghosts apprend 3ème épreuve, c'est rare qu'on voit quand même des sub 18, même des sub 20 on en voit pas beaucoup, mais là le podium, 3ème place un peu timide, KFR qui fait une 3ème place avec un 23-15, ça fait 170 points, et ensuite un petit gap, on arrive à 180 points, 21-35 de Taker et 21-18 de Draconis. Mais on est sur du 180 points, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'était simplement quand même, il y a un peu, on peut creuser, hein. Personne n'est très très régulier sur ce jeu semble-t-il. Bon, il est dur, mais en tout cas, voilà, le petit 200 points qui pourrait faire du bien en live. Et Mario, comme d'habitude, eh ben, c'est difficile d'être au-dessus de 190. Troisième place, Armentis avec un 10-37, Big Stewie 10-21 et Tifa, du coup, qui a fait un sub-10, c'est assez rare quand même pour noter. Et voilà, un beau 9-53. Est-ce que son PB, à l'époque en tout cas, parce que depuis, il l'a battu. Et ce qui donne du coup pour le tournoi, pour... Le tournoi A, on a un top 10, donc Mollyman, Ryle, Big Stewie, Kushas, Psychos, Devil Tifa, Taker 4ème, et sur le podium, Svan, Fireman, Draconis. Donc ce qui était cool sur ce tournoi, on avait des nouvelles têtes. Du coup quand même Fireman qui commence à collectionner des petits trucs, Svan qui n'avait pas encore forcément beaucoup, qui est au championnat est là, mais qui n'avait pas forcément beaucoup concrétisé en tournoi, Draconis du coup qui a une petite étoile d'or qui le fait remonter, donc beau tournoi. Et du coup, le B-Twin. Pour le tournoi B, on avait Trackmania, Castlevania, Megaman X. Ça avait été un peu l'enfer quand même, le tournoi A. Beaucoup, beaucoup de déconvenus. Et vous allez voir, sur le tournoi B, ça a pu quand même se suivre. Trackmania, heureusement, c'est le jeu de la régularité. Dans le top 3, on avait Melwest en 3ème avec un 17-02. Big Stewie avec un 16-50 en 2ème. Et Coaster, qui a fait que Trackmania, qui a fait un 16-19. Il n'y a pas eu d'énormes écarts de points sur ce jeu. Ensuite, Castlevania, on sait que peut y avoir des accidents. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on a rarement vu, mais certains favoris ne sont même pas dans le top 10. Hein. Donc pour le top 3, on a eu Grinzevent qui nous a fait un 14 minutes, Melwest qui nous a fait un 13-52 et Mordak qui nous a fait un 13-31. Donc là, c'est que au-dessus de 190 points, ça fait quand même des gros gros scores.
Et enfin, on a fini par Mega Man X. Mega Man X aussi jeu de la régularité. Donc là, les gens sont un peu plus proches de leur PB en général. Devil Tifa qui fait un 37-50, 188 points, il est 3ème. KFR Legend un 37-45, 188 points pour la 2ème place. Et DXTVX qui ne run que Mega Man X au tournoi 11 a fait un 35-55, 194 points. Et ce qui donne un score cumulé assez étrange avec un podium, pas des nouvelles têtes, mais des têtes qu'on voit rarement ensemble, main dans la main sur un podium. Donc Kusha 103ème étoile de bronze à 547 points, Big Stewie étoile d'argent à 557 points et Melwest étoile d'or à 566 points. Ne sont pas en reste quand même les gens les suivants parce que les scores étaient relativement élevés pour un top 10 sur un jeu à 3 tournois. En 4ème on avait Devil Tifa, Psychose en 5ème, Draconis en 6ème, KFR Legend en 7ème, Nenesquik en 8ème, Mordak en 9ème et Mini Ben en 10ème. Une des rares étoiles de papier de Mini Ben qui arrive quand même à se hisser sur le top 10. Donc c'était un fort beau tournoi avec une cinquantaine d'inscrits. Plein de rebondissements. Ce fut très amusant à regarder. Ouais, alors ce qui est rigolo surtout, c'est que là je crois que c'était quasiment le top 10 le plus élevé, enfin un des plus élevés en tout cas. Si je regarde Mini Ben avec son 513 points 10ème place, je regarde les statistiques en 10ème place, on a une moyenne normalement à 459. Ouais, c'est ouf. et l'étoile de bronze est à 516 d'habitude. Ah oui, d'accord, donc il était à 3 points d'une étoile de bronze en moyenne, quoi. Il était meilleur qu'une moyenne de 4ème place, quoi. Voilà, mais il y a des tournois où ça ne suffit pas. Ah, c'est dingue. Ouais, comme quoi... Et du coup, au général, les étoiles bonus, il y a quand même KFR, FrapZC, Railtaker, Big Stewie, Kushas, Fireman qui ont eu une petite étoile de papier. Psychose, une étoile de bronze. Tifa, quand même, a remonté un petit peu la pente, c'était un tournoi difficile, il a eu sa petite étoile d'argent. Et Draconis, il a eu du coup une deuxième étoile d'or dans la journée, puisqu'il a eu le bonus, il a eu un total de 1245 points sur ce jeu, ce qui est... Ce qui est pas mal, mais ce qui est pas incroyable en fait, parce qu'il y a eu. C'est intéressant, aucun score au-dessus de 190. Et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on voit que la régularité, si on vise un petit 180 dans certains tournois, ça peut suffire. Par exemple, là on regarde, il n'y a rien à 200, il n'y a rien à plus de 190, on est à 274, un 168 même. Mais voilà, pas de gros accidents. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, tout à fait. Très encourageant. Ensuite, on a eu le tournoi de la roue, du coup, parce qu'on ne s'arrête pas, on fait des streams tous les soirs. Donc, mardi soir, il y avait un autre tournoi bonus où on a tiré les jeux au hasard. De mémoire, je sais même plus ce qui est tombé. On va se regarder ça tout de suite. Ah, si, évidemment. Nuclear Throne, Left 4 Dead 2, Super Ghouls and Ghosts. La roue adore Super Ghouls and Ghosts, hein, faut se l'avouer. Et puis sinon, c'était quand même une belle sélection de jeux de l'accident, je trouve. Sur Nuclear Throne, on a commencé assez fort, puisqu'il n'y a que 9 personnes qui ont réussi à finir le jeu avec un podium avec Devil Tifa en 3ème à 184 points, Kushas en 2ème à 185 points et Zigwigwi en 1er à 187 points. Donc là, les gens espéraient, ne savaient pas quel deuxième jeu allait tomber, et quand on voit que c'était Left 4 Dead, il y a eu grosse réaction, et surtout, il y a eu un podium très intéressant, avec Molfried en troisième à 175 points, Jant en deuxième à 180 points, et Zigwigwi en premier à 187 points. Donc là, narration exceptionnelle, puisque Zigwigwi arrive avec beaucoup d'avance, avec deux jeux à 187 points, et il a encore 6 jeux très solides et 2 jeux qu'il ne faut absolument pas. Et évidemment, Super Ghouls and Ghosts en 3ème qui a un peu scellé la première place offerte de Zigwigwi. On a eu un podium du coup un peu en retrait de ce qu'on avait vu, de ce qu'on voit d'habitude les samedis sur Super Ghouls and Ghosts, hein, puisque Devil Tifa était 3ème avec un 23 minutes 14, 170 points. Draconis en 2ème avec un 22-33, 174 points. Et Steve Fleur a fait premier avec un 21-37, donc ça fait 179 points.
Donc ça fait sur le total, on a eu Divoltifa qui a réussi à récupérer une première place enfin. Hein. Il n'avait pas eu d'étoile d'or samedi et là bah, il a tiré son épingle du jeu grâce à Super Ghouls and Ghosts. Kouchas en deuxième qui fait un tournoi honorable mais petit accident sur Super Ghouls and Ghosts qui lui prive de ça d'une petite première place potentiellement. Et Fireman tu l'as dit tout à l'heure en présentant le tournoi A du 11e tournoi, le tournoi de samedi précédent. On le voit de plus en plus et donc il fait une troisième place pour une étoile de bronze à 474 points. Et ensuite, bah, les tournois de la roue, souvent les top 10 sont un peu moins bons que les tournois préparés. Donc on a eu Jant en 4e, Psychose en 5e, Stifleur en 6e, Draconis en 7e, Zigougou en 8e, Sablier en 9e et Slag en 10e à 376 points, donc à mettre en relief avec les 511 points de mini-ben samedi dernier. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez chaud parce que là c'était un tournoi avec pas mal d'accidents. C'est vrai que c'était le festival de la complétion et c'était le festival de l'injustice aussi, puisque ce dernier jeu, Super Ghouls and Ghosts, bon, c'est un jeu comme un autre, hein, d'ailleurs moi je l'adore, j'adore le commenter, mais il y a pas mal de gens qui étaient très haut dans le tableau, c'est limite le seul jeu qu'ils avaient pas. On a une petite pensée pour Zigouigoui, pour Elgérine et d'autres qui du coup voilà, on pleurait. Parce que c'était ils avaient une opportunité, ils avaient trop bien joué, mais ça ne suffit pas. On rappelle, un décathlon, c'est 10 jeux. Vous prenez un risque, vous vous exposez quand vous n'avez que 9 jeux. Voilà, mais voilà, petite tristesse. Et j'adore le jeu de mots j'adore les jeux de mots à base d'émoticônes, là, le tournoi qui vous roue de coups. Ça, c'est vrai. Ah, pas mal, pas mal. Du coup, ça donne quoi sur la guerre des étoiles, CDV, toutes ces 12. C'est quoi, ça fait combien, 30, 40 étoiles qu'on a donné du coup la semaine dernière? Ah. Bon, bah, globalement, on va dire à la 38e place, il y a plein de gens qui ont une étoile. C'est soit des gens qui avaient fait une petite participation, qui ont arrêté de l'hécatlon, ou c'est des gens qui du coup sont là depuis le début, mais étaient plutôt vraiment au milieu de peloton et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu une fois. Et bientôt 50 personnes, ça y est, donc là ça fait quasiment 20 personnes, 21 personnes qui ont une étoile, ça sonne au 28, 38, non n'importe quoi, 11 personnes, pardon, je suis fatigué. Et donc voilà, donc c'est Brainstorm, La Mouche qui pète, Naro de Sem, Monorin, Snag, Nimoker, Essikana, Lenmenji, Karaba, Fuganon, Bro et The Mountain. À 2 étoiles, on a Onoma, Mordak, Topi, donc ça monte tranquillement, 3 étoiles, Sablier. 4 étoiles, Miliben, Nenesquik, 5 pour LF, 7 pour DoomQQ, Ryuka et Cute Shadow. Cute Shadow, il y a longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Cute Shadow, je crois qu'il se réserve pour l'UD4, il se refait le plein de force, 2 UD de suite, c'était trop. Ah ouais, c'est logique. Senan 8. Senan, c'est marrant, c'est un joueur qui a jamais réussi pareil, comme Molfried qui a une étoile de plus, qui sont pourtant dans le championnat, mais ils n'ont pas réussi à faire un podium, alors pourtant ils pourraient. Je les encourage en tout cas. Ryle, pareil. Hein. 10 étoiles de papier, toujours pas de podium. Jean, 12 étoiles de papier, toujours pas de podium. Molyman, 15 étoiles de papier, toujours pas de podium. Au-dessus, on a quelques snipers, on a Cephage et Shio qui ont leur petite étoile. Et du coup, ils sont contents. Après, on arrive à la 20e place, Zigouigoui, qui du coup a une bronze. Et Steffler, une aussi, Arcabet 2. Le sniper Winkaiser, le sniper d'argent. Après, on a Armentis, une d'argent, une de bronze, tout comme Fireman, KFR, Svan. 10e place, Trinix, on arrive à 2 étoiles d'argent, une étoile de bronze, tout comme Chamout, mais quelques étoiles de papier en plus. Et là, on commence à arriver à des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'étoiles. 4 d'argent, 3 de bronze et plein de papier. Sekouchas, 10e, et 9e, Psychose, 5 d'argent, 5 de bronze et plein de papier, 24. Et il n'en a pas reçu du 24, il va commencer à falloir, il faut se dépêcher pour faire son dragon blanc là, 28 étoiles de papier, ça fait un joli dragon, mais 28, il va pas rester beaucoup d'occasions, donc il faut faire gaffe, Psychose là. Mais du coup, je vais faire le top 8 si tu veux. Ah bah pour le top 8, c'est les gens avec une étoile d'or, ça va, les gens le disent dans le chat et sont surpris.
une étoile d'or suffit pour l'instant à arriver en jour 2 de la grande finale. Donc effectivement, c'est le moment hein, de sniper une petite étoile d'or. Donc en parlant de sniper, on a eu Père Doudou qui a réussi à faire un très très bon tournoi il y a quelques semaines maintenant. Et donc il a une étoile d'or. Ensuite on a Frappe ZC qui a été un sniper à un moment et qui monte de plus en plus. Donc il est 7ème avec une étoile d'or et deux étoiles d'argent. Ensuite on a Big Stewie qui a une étoile d'or, deux étoiles d'argent, quatre étoiles de bronze et une tripotée d'étoiles de papier. Draconis hein, qui a longtemps été un des hommes barrage juste sous psychose, mais là il a réussi à prendre deux étoiles d'or maintenant. Et donc il a une étoile d'argent, deux étoiles de bronze et 24 étoiles de papier. Pareil, hein, le dragon, il faut se dépêcher. Mel West, deux étoiles d'or, deux étoiles d'argent, trois étoiles de bronze, quatre étoiles de papier pour la quatrième place. Humpins, trois étoiles d'or, une étoile d'argent pour la troisième place. Taker, trois étoiles d'or, six étoiles d'argent, trois étoiles de bronze et 9 étoiles de papier pour la deuxième place. Et enfin Tifa avec 25 étoiles d'or, 6 étoiles d'argent, 2 étoiles de bronze et 3 étoiles de papier. C'est le plus près, le plus proche hein, de compléter un dragon, mais c'est aussi le plus dur. Le dragon d'or, là, il n'a plus la moindre marge d'erreur. Donc voilà, ça fait une jolie collection de gens qui ont réussi à atteindre des top 10 fort disputés en tournoi. Alors c'est rigolo parce que le dragon d'argent et le dragon de bronze sont beaucoup plus durs à avoir. Pour tout un tas de raisons très compliquées, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on verra sans doute jamais. Sauf si on a des milliers de tournois, je veux dire. Évidemment, oui, à l'infini, il se passera toujours quelque chose d'incroyable. C'est clair. Et du coup, ben non, on a fait tout ça, on va pouvoir passer au championnat du coup. Hop là. Alors, tu veux qu'on commence par quoi ? Faisons dans l'ordre, commençons par Mario. Alors dragon, je lis le chat en même temps, j'ai qu'un seul écran aujourd'hui, donc c'est dur, c'est vraiment vraiment hyper dur. La date, la dernière date, c'était quand ? C'était depuis le 16 en gros. Depuis le 16, ah là là mon dieu, il y a eu 10 temps sur Mario. Pas tous lire, je vais aller vite, hein. Vous vous en doutez, on laisse afficher un peu les scores, mais on va pas dire tous les noms parce que faut que ça avance dans les performances notables. On a Devil Tifa qui a fait un PB en 9.31. Donc dans la quête des 2000 points, maintenant c'est aussi une des choses en fait sur la plupart des gens, on le sait, sont rivés un peu sur l'objectif des 2000, enfin du coup par procuration. C'est-à-dire en gros on regarde, on espère que Tifa, juste pour le principe, atteigne les 2000. Et ça nous fait plaisir et on regarde tous les matins s'il y a un nouveau PB soumis maintenant qu'on a franchi, on est à 93, un truc comme ça. Donc c'est très très proche, les derniers points vont être très durs, mais il y a encore moyen. Donc Tifa, donc 9.31, Metal au 22e avec un 10.19, et le Chamout 34e avec un 10.58, ce qui fait que, hormis la progression de Tifa dans le top 10, il était peut-être même pas dans le top 10 avant d'ailleurs, il était peut-être 11e, en tout cas il est monté dans le top 10, il est 5e, hormis ça, le podium c'est toujours Jant, Zogma, des Pins, ça n'a pas bougé. Effectivement, ouais, c'est un jeu qui est très bien installé. Ensuite, on a Trials. Depuis le 16, on a eu un peu plus de PB, on a eu une petite quinzaine. Performance notable, Jant, qui a réussi enfin le sub 35, un 34-58. Il prend la 10e place. Puppets Master qui fait le 31-09. Incroyable, donc il conforte sa première place. Psychose avec un 34-37, il est à la 9e place. Et Père Doudou avec un 32-30, il prend la 3e place. Donc ça donne un top 10. Je crois que c'est la première fois qu'on a un top 10 tout sub 35. Ça y est, 10 personnes complètent les 36 maps en moins de 35 minutes sans faute. Donc avec Puppets Master, Devoltifa, Père Doudou sur le podium et Psychose et Jante qui ont réussi à s'installer aux dernières places de ce top 10. Alors Megaman X, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'action ? Il y a eu un petit peu d'action, quasiment une vingtaine de PB soumis. On notera la performance de Kouchas, un 38-40 qui lui permet d'être 13e. Mini Ben avec un 41-22 qui accède à la 31e place. Stéphleur avec son 40 minutes 08, il accède à la 22e place. Falzar avec son 42-15, il est 34e. Et la performance de fin de semaine quand même, c'est du coup Mel West avec son 36-27. Il devait déjà être 3e, peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt, je sais plus si c'est simplement une amélioration, parce qu'on n'a pas encore les flèches. Donc, il était très très bien placé, donc
Je dirais que, en tout cas, il a conforté, il a fait il est sur une belle médaille du coup de bronze sur ce jeu. Que globalement, encore une fois, le top 10 a pas trop bougé, si ce n'est que voilà, maintenant elle s'est renforcée. Ah non, peut-être qu'il était quatrième, c'était peut-être Il était KFR. cinquième, de mémoire, il avait un 37 minutes, je sais plus D'accord, combien, mais... ouais, c'était KFR le troisième. Alors il s'est fait bouter du podium, c'est la seule news concernant Megaman. Et maintenant, la prochaine étape pour Mel West, bah, ça va être quand même faire 1 minute de mieux pour atteindre Benko. Ouais, là, il y a du boulot, mais je sais que c'est son objectif, les 195 points sur Megaman, donc il va pouvoir contester peut-être cette deuxième place. Ensuite, on a eu Left 4 Dead. Left 4 Dead, j'ai pas vu énormément de gens grinder. Ah, il y a plus de PB que ce à quoi je m'attendais. 11 personnes qui ont fait un PB cette semaine. En performance notable, on a Metallo qui a pris la 6ème place avec un 18-20. Et Stifler qui a pris la 18ème place avec un 19-33. Le sub-20, il veut quasiment plus rien dire sur ce jeu maintenant. Il faut vraiment faire des gros scores pour gratter des places. Donc ça donne un top 10. Toujours Lunatic Sonoma et Mel West pour le podium. Ensuite on a KFR Legend, Le Chamout, Metallo, Scorn, Prosper, Technolive et Hyper Jaja. Et voilà, tout le top 10 maintenant, c'est il faut quasiment du sub 18, 18-30, hein, 18-33 pour la 10ème place. Ensuite, Metal Slug X, il y a eu. C'était pareil, assez peu, un peu plus d'une dizaine de PB soumis. On a du coup LF qui, avec son 23-38, accède à la 24e place. Mel West, encore une fois, qui du coup, avec son 20 minutes 12, accède à la 5e place. Gonzo, avec son 20 minutes 12, accède à la 6e place. Draconis, avec son 23-14, à la 22e. Et Jante, avec son 22-43, à la 17e. Donc. Il y a eu, c'est surtout un petit peu en dehors du top 10 que ça s'est énervé, hormis Mel West. Non, il y a quand même eu Gonzo et Mel West, donc ça se resserre un petit peu le haut du tableau. En gros, le top 3 n'a pas bougé foncièrement. C'est plutôt que ça, le top 10 se renforce. Et donc le podium, c'est toujours Shio, Vlad et Soukimos, qui sont confortablement, enfin surtout Soukimos, qui est à une confortable avance, comme vous le savez. Ensuite, pour Trackmania. Trackmania, depuis le 16, on a eu une petite dizaine, hein, 10 PB. La meilleure performance de la semaine, c'est Jante qui prend la 50e place avec un 17-37. Draconis prend la 54e place avec un 17-43. Et Sven prend la 58e place avec un 17-50. Je pense que ça, c'est marrant parce que les très habitués sur Trackmania ont dû faire. Pardon, on a dû faire des temps très vite. Et donc là, maintenant, il nous reste des gens qui ne sont pas forcément hyper à l'aise sur le jeu et du coup qui font plutôt des temps normaux, j'ai envie de dire, entre les 18 et les 20 minutes. Et bah, il reste un petit peu de temps pour grinder tout ça, mais c'est vrai que c'est des jeux la plus grosse amélioration. Ah non, on a eu Mel West quand même la semaine dernière qui nous avait fait une 5ème place. Donc non, non, ça grind, ça progresse. Alors, Trackmania Nations Forever, il n'y a pas eu beaucoup d'action, une petite dizaine de PB, rien de différent, rien de nouveau dans le top 50, c'est quand même ahurissant. Les deux performances de la semaine, c'est Draconis 17-43, 54e, et Jante 7-50e, donc on sait vraiment, ça n'a pas beaucoup bougé, donc c'est. Dans cette première moitié de tableau, bah si, Svan 17-50, 58e. Ce qui fait que le top 10 n'a pas changé, donc le podium c'est toujours Topi, Nimiflip et Coaster à la première place. Pour Super Ghouls and Ghosts, ensuite, depuis le 16 juillet, nous avons eu une quinzaine de PB. Performance notable KFR Legend qui prend la 10ème place avec un 18-42. Molfried qui prend la 23ème place avec un 182 points, 21 minutes 13. Draconis qui prend la 18ème place avec 186 points, un 20 minutes 22. Cox 31 qui prend la 4ème place avec un 17-47. Et Vlad qui prend la 26ème place avec un 21-18. Donc pour le top 10, on a simplement la 4ème place qui a bougé. Le podium, c'est toujours Frap ZC premier, Vinkaiser 2ème et Homepins en 3ème. Et donc la personne potentiellement qui s'est fait booter du top 10, c'est Shidu. Shidu qui va falloir regrinder pour refaire un top 10 sur ce jeu. Les gens disent que je ne t'écoute pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait deux fois Trackmania, mais c'est pas grave.
Ah ouais, je suis vraiment fatigué à ce point. En fait, je suis en train vraiment de m'endormir. Hein. J'essaie de bluffer. Là, c'est pour ça que je suis vraiment en train de je suis très très fatigué. Hein. Tu peux faire Nuclear Throne, mais plein de PB. C'est le jeu sur lequel il y a le plus de PB. Je suis désolé en tout cas. En tout cas, la grande politesse a fait que je n'ai pas été interrompu. Bon, ça a été très rapide en même temps, mais ça a duré 30 secondes. Mais il était important, je pense, d'insister un peu sur non, ce jeu. C'est ça. Parce que rien ne s'était passé. Il y a eu une 50e, une 54e place. C'était important de le dire de deux manières différentes. C'est clair. Voilà. Et donc, à ma part, un Nuclear Throne, ça s'énerve un peu. Alors, au début, il y a eu plein de gens à soumettre des PB. Ensuite, il y a les gens qui ont arrêté de soumettre des PB. Ils ont travaillé la régularité. Puis maintenant, on resoumet des PB pour s'améliorer ou se qualifier dans les derniers tournois. Donc on a Yuganon 36e avec un 9,29. On a Jante 42e avec un 9,57. Fabulous 25e avec un 9,02. On a Zigouigoui 9e avec un 8 minutes. Renaud Zilot 1er avec un 6 minutes 45. Ça c'est vraiment violent. Et Taker 6e avec un 7 minutes 38. Win 14e avec un 8 minutes 20. Gonzo 22e avec un 8 minutes 50. Voilà pour les performances notables. Ce qui veut dire qu'il y a quand même. Ça commence à être assez sévère hein, le top 10 sur ce jeu. Il y a que Serrier Clou qui, avec son 8 minutes 06, réussit avec un tier A à rester dans le top 10. Mais bientôt ça ne suffira plus. On le sent. Et donc, ce top 10, donc, Terrier, Clouzy, Gugui, Tifa, Bovda, Taker, Chamout, Senan, et le trio de tête, toujours Karabaf, Sikana, Renaud Zilot. Sikana, écœuré par la vie avec son 6,48, comment va-t-il faire? Parce qu'il veut repasser premier pour avoir l'icône de Nuclear Throne en or sur sa fiche, il le sait, il le veut. Donc ça va être, je sais que Sikana, il va, je suis sûr, relancer le jeu incessamment sous peu. Et il va être il va être pas mal, en tout cas il va être donner le maximum, j'imagine. En plus ouais, c'est des temps là, il suffit de gagner une seconde in game time pour prendre le record du monde maintenant, donc parce que Renaud Zilot et Siskana sont égalité in game time au niveau du record du monde, donc il faut s'énerver pour ça, pour monter dans le leaderboard aussi international. En tout cas pour Lovely Planet, je m'attends à un peu de mouvement quand même. Parce qu'on a vu que c'était un jeu récemment qui faisait de la différence en tournoi. Voilà, il y a eu 25 PB. Performance notable, Sevage qui prend qui fait un PB en tournoi, il me semble, samedi dernier, et qui prend la 3ème place avec un 10-28. Prosper qui fait un 11 minutes 12. Korn qui fait un 11 minutes 13. Donc ça les amène à la 13ème et la 15ème place. Ensuite, il y a pas mal de gens, je ne dis pas tous, mais qui font des 12 minutes, qui sont quand même des très bons temps. Hein, Draconis, Metallo, Zigbigbi. Devil Tifa qui prend la 2ème place avec un 10-22 et Shidu qui prend la 19ème place avec un 11-57. Du coup, ça fait que le podium s'est un peu bouleversé, je pense, à moins que les gens aient conservé leur place. Mais en tout cas, Taker, Tifa et Sephage forment le podium et Tifa et Sephage ont eu des PB très récents. Sinon, ensuite, on a Melwes, Fireman, Karabas, Sharp, Millet, Siskana et Kouchas qui restent là depuis début juillet. Alors, Castlevania, il y a eu un petit peu d'action quand même, c'est normal. Quasiment, enfin, 25 PB, on va dire. Mordak, 13e avec un 13,22 dans les performances notables. Senen, 11e avec un 13 minutes 14. Ryle, 30e avec un 13 minutes 56. Shidu, 5e avec un 12 minutes 42. Et encore, on voit plein d'autres scores. Évidemment, on ne dit pas tous les noms, mais on voit que le top, dans le top 50, ça s'énerve beaucoup. Fabulous, 32e avec un 13,59. Daikena, 1er avec un 12 minutes 16. Devil Tifa, 4e avec un 12 minutes 28. Ça, me semble-t-il, c'était la route vers les 2000 points, ça. Partie des points gagnés récemment. Ce qui fait que du coup, le top de ce jeu continue d'être de plus en plus haut. On a 6 personnes tiers S, c'est quand même pas mal. Et foncièrement, l'ordre n'a pas été. À part l'arrivée de Devil Tifa dans ce classement, Daikena était déjà en haut de mémoire, ou alors il est passé devant. Il est passé devant... Non, il était à 12-17, il était déjà premier, et il a fait une seconde de PB. Ouais, c'est ça, donc a priori, pas de gros changements. En tout cas, si, il y a Shidu aussi, sa 5ème place, donc c'est ça, c'est un peu les deux changements. C'est la 5ème place de Shidu, la 4ème place de Tifa, et le podium, c'est toujours Grinzevent, I'm Crazy, et Daikena.
Pour conclure du coup ce récap, on finira par le décathlon. Est-ce qu'il y a des petites annonces à faire peut-être lundi quand même tournoi par équipe, la finale. Ah, la finale, ouais. Ça c'est cool parce que du coup c'était assez équilibré parce que chaque équipe qui est en finale a quand même concédé des points. Ils ont pas roulé non plus sur la compétition. Et même par exemple nous on a joué contre les Grind à l'arrache contre Citron Pressé de mémoire. Et même nous contre les Grind à l'arrache on avait fait une prestation décente, on avait perdu. Mais en tout cas du coup ça risque d'être un match très sympathique. Donc soyez là quand même lundi soir à partir de 20h, on streamera les trois derniers matchs et le programme est indiqué sur le document du par équipe, donc il est assez facile à trouver. Il est même sur le site au pire ou sur le Discord, enfin, ça se trouve bien. Ça c'est pour du coup le tournoi, enfin c'est pour lundi. Mardi on a rien communiqué encore. Non. On ouvrira sans doute le tournoi assez vite, histoire que les gens soient prêts à s'inscrire à la dernière minute. Au pire, même si on vous dit on mettra truc et les gens seront là, oh là là, qu'est-ce que ça va être. si quand même un truc, c'est qu'on pourrait au moins regarder le classement du DK, enfin le top 10 du Tetra et de l'Apta, et puis voir un peu au moins le top 30 du DK, mais ce coup-ci là. Voir un petit peu les gens qui ont des chances de se qualifier vu qu'il y a bientôt les derniers tournois. Tout à fait, c'est vrai que dans le 7, enfin oui c'est ça le 7, donc le 6 c'est la fin des. C'est le ramassage des copies pour ce qui est des qualifications au final. Et le 7 il y a la finale du tétrathlon et de l'heptathlon. Donc je sais qu'il y a des gens qui attendent ça avec impatience parce que ça va être des matchs très très serrés. Si on regarde le top 10, on a quand même Draconis et Psychose égalité. À 768 points à la 9e place, Taker Régente égalité à la 7e place à 771, KFR Legend Kusha Sompins égalité à la 4e place à 772, Stifler à la 3e place à 774, Mel West à 784, il est 2e, et Tifa à 797, va-t-il faire les 800? Il est 1er pour l'instant, et si on va un tout petit peu plus loin, non j'ai pas oublié d'égalité, mais on a Big Stewie, Onomas Van, le Chamout, Arkabed, Senen, Moliman, Molfried, Dr. Ryle et la mouche qui pète, qui seront là pour prendre au moins un top 10 peut-être sur le tétrathlon. Ça promet du spectacle. La Tifa, les 800 points, ils sont gratuits là maintenant. Je pense franchement que un petit 3 points en plus sur Left 4 Dead et c'est réglé quoi. Franchement, c'est donné. Alors, l'heptathlon après. Ce qu'on rappelle, hein, juste avant le tournoi de la dernière chance qui est le dimanche, le samedi, on fera la finale, donc ce sera un tournoi assez important. Pour le top 10 de l'heptathlon, ça s'étale un petit peu plus, c'est logique, il y a plus de jeux, il y a moins d'égalité. Moliman 10e à 1265, Svan 9e à 1278, Steffler 8e à 1305, Tiwi 7e à 1310, un point devant Psychose. Après, ça, c'est un petit peu plus serré. Draconis 1315, 5e place. Jante 4e avec un point. Enfin, un point devant Draconis. Et là, ça s'échappe un petit peu. C'est un peu l'envolée. Kouchas 3e, 1330. Taker 2e, 1336. Et là, petite marche aussi. Devil Tifa 1384. Il y a quand même quasiment 50 points. C'est assez bien. 48 points, c'est quand même beaucoup. Petite sécurité, on va dire. Ouais. Ça va être assez dingue de voir si les gens vont réussir à. Enfin, qui va réussir à faire un top 10 sur des jeux ou sur des classements sur lesquels c'est aussi serré. Ça va être très très intéressant à voir. Ouais, je vois bien Tifa faire pendant effectivement faire 300 tries de Left 4 Dead pour faire oui, je mets 3 points. Ouais. Oh là là. Du coup, lundi tournoi de la tournoi par équipe, mardi tournoi fun, jeudi décathlon d'entraînement, il y a toujours plein de gens qui les font, c'est rigolo. Vendredi le récap, samedi prochain le dernier tournoi ordinaire et mardi d'après le dernier tournoi de la roue. Je pense que c'est le moment d'attacher sa ceinture de sécurité et d'appuyer sur le champion pour la dernière ligne droite. Hein. Puis on va regarder ce classement du décathlon pour finir. Ah, je pense qu'il faut le top, au moins le top 83. Moi je pense qu'il faut faire les gens qui ont plus de 1500 points.
Voilà, alors, ça fait le top 47. Non, parce que, juste petite info, Naruto Sub, Kasumi, c'est Pibi trop tard, se contentera d'une 83e place, il ne pourra pas passer devant CDV. 82e, il faut soumettre ses Pibi plus tôt, c'est la vie. Donc on va aller voir ça, 83e place, Naruto Sub, 1188, 82, CDV, 1193. Pour le top 47, on a... Moonrim à 1500, Deux Petits Verts à 1503, Deux Mailles à 1521, La Mouche qui pète à 1524, Rorschach à 1526, Lane Benji à 1530 et Zogman à 1546. C'est que des gens qui ont déjà 10 jeux. Ensuite. Ensuite, je te laisse faire le top 40. Ouais. Alors, le top 40, on est entre 1549 et 1639, donc il y a quasiment 100 points, il y a 90 points, ce qui est pas mal, et en gros, on a les dernières personnes à qui il manque un jeu, bon, il y en aura peut-être d'autres, mais on commence quand même à avoir 9 ou 10 jeux ici, c'est logique, donc 1549 à 1639, et ces personnes, c'est du 40e au 31e, Miniben, Armentis, LF, Xen, Scorn, KFR, Zigwigwi, Slag, Sharp et Gonzo. Ensuite, du coup, on passe au top 30. On est entre 1651 et 1743. On est encore à peu près à 80 à 100 points. Hein, 92 points d'écart entre le 30e et le 21e. Il s'agit du coup d'Onoma, de moi-même, de Mordak, de Swift, Brainstorm, ensuite à la 26e place. Ensuite, il y a Sablier, Nenesquik, Vlad, Doomcucu et donc Fireman, hein, l'homme qui monte, l'homme de feu, à la 21e place. Mais Fireman, dans les pronostics, il remonte. Hein. Là, j'aimerais bien, c'est quelqu'un, c'est un bon runner quand j'ai un outsider, c'est-à-dire c'est pas forcément la première personne qu'on a en tête pour comme qualifier de l'ultime finale, mais s'il continue comme ça, ça peut être cette fameuse personne qu'on disait qui n'est pas dans le top 10 et qui créera la surprise en se qualifiant de l'ultime finale, ça pourrait être Fireman, comme évidemment ça pourrait être plein d'autres gens, mais Fireman, là, le fait qu'il soit en forme en ce moment, si sa forme continue, il pourrait se passer quelque chose, donc top 20. On s'étale de 1745 à 1809, donc c'est logique, mais on a quand même encore quand même 64 points. C'est quand même beaucoup. Là, du coup, on a, à l'exception de Melwest, que des gens qui ont 10 jeux. Melwest, lui, est virtuellement dans le top 10, en fait, parce qu'il a même pas soumis une complétion sur Super Ghouls and Ghosts, donc c'est un score qui à prendre avec des pincettes pour Melwest. Quoi qu'il en soit, ça s'étale donc de 1745 à 1809. Les personnes sont du 20e au 11e. Berumondo, Shidou, Steffler, Trinix, FrapZC, Ryuka, Melwest, Molfrit, Senen, Ryle. C'est vrai que là, c'est beaucoup de gens qu'on prononce, beaucoup de noms qu'on prononce souvent dans les tournois, quand même. Tout à fait, ouais, c'est des gens qu'on voit très souvent. Melwest, hein, il a au moins 50 points de complétion en tournoi, je lui ai dit de le soumettre, mais il ne veut pas soumettre de score en dessous de 175, hein. c'est son honneur, c'est sa fierté, je ne sais pas, en tout cas, voilà, son classement réel, c'est plutôt à la 9e ou à la 10e place, pour l'instant, en tout cas, tant que ce n'est pas fait, le vrai top 10, il s'étale entre 1829 et 1993, ça veut dire qu'il y a 100... J'ai du mal à y croire, il y a 164 points d'écart. C'est plus d'écart qu'entre le 50e et le 40e. Donc c'est vraiment, il y a une échappée infernale sur les gens qui sont en fait, sur le haut du panier. Hein. Donc, même si on peut le décomposer de 10 à 2 et de 2 à 1, techniquement, cet écart. Hein. Ouais, bon, décomposons de 10 à 2, on est déjà quand même à 112, à 109, 8 points d'écart, pardon. Beaucoup déjà. Donc c'est quand même beaucoup, hein, beaucoup plus... 40 points de plus qu'entre le 20e et le 11e. On a Moliman qui a 1829, Le Chamout à 1832, Svan à 1854, Psychose, hein, 30 points devant, pardon, à 1884, Jante à 1889, Big Stewie à 1890, Draconis à 1892. Là, on a 22 points d'écart avec Kouchas qui est 3e à 1914, 23 points d'écart avec Taker qui est 2e à 1937, et Tifa qui a une grosse avance, il est à 1993 points. Va-t-il réussir les 2000 points? Pour l'instant, il est premier. On va clore ce récap là-dessus. Le petit mot de la fin. J'aime bien le pour l'instant, parce qu'en fait, est-ce qu'à un moment, il a pas été... Ah non, à un moment, il n'était pas premier au début du DK, c'est vrai. Et non, alors, du coup, on se revoit demain, du coup, pour le tournoi de samedi. Venez, que ce soit en tant que runner, en tant que spectateur, ça va être sympathique. Bientôt, vous aurez les infos pour le Tipeee et pour l'ultime finale, parce qu'on est en train de ficeler cela. De toute façon, faut pas trop qu'on traîne, et normalement, le lancement sera début août, mais nous, on a encore quelques petits trucs à régler.
Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ça se passera à Fougères au cinéma. Et du coup, vous pourrez acheter vos places comme contrepartie du Tipeee. Et pour, donc voilà, c'est le plus simple. Ou alors in situ, quoi, au cinéma de Fougères, évidemment. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'en avoir. Donc comme ça, c'est dit. Mais donc ça se passera, voilà, il y a 300 places. Ça devrait aller, normalement, il y aura de la place pour tout le monde. C'est pas ça qui en ce moment, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est clair que si on arrive, si on remplit 300 places, j'aurais tellement, ça serait dingue, on aurait des problèmes qu'on saurait pas gérer. On... Mais Ouais. Mais ça irait, quoi, franchement. Enfin, ça irait, c'est pas ce qui m'inquiète le on plus. On installerait des transats sur la place de Fougères devant le cinéma et les gens regarderaient sur leur téléphone. En tout cas... Ben en tout cas, bonne soirée, bon grind, entraînez-vous bien. Et puis, ben bonne chance pour le demain, pour essayer d'avoir du coup des petites étoiles et peut-être vous qualifier, tout ça. Et prenez du plaisir, bonne soirée. Ah si, il y a des gens à remercier, pardon. Des qui nous... Ah non, la salade de pommes de terre, on l'avait déjà dit. Je regardais sur le, on a eu, si on avait eu des nouvelles personnes. C'était quand le dernier tournoi? Ah ouais, mais on fait tellement de tournois, c'était... Il y en a tout le temps des tournois. C'était le 19? C'était le tournoi de la roue, c'est ça? Ouais, le tournoi de la roue, c'était... Ah non, bah non, c'est bon. Du coup, c'était le 19 qu'on a eu les derniers dons, donc en gros, c'est bon, il n'y a pas de nouvelles personnes à remercier. Ok. Il y a quelques subs, évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir. Il y aura le Tipeee bientôt aussi, si ça vous plaît. Si vous voulez nous donner des sous en contrepartie, vous pourrez venir, comme disait CDV. N'hésitez pas à venir demain. Demain, c'est sur Gaming Live, encore une fois. De 15h à 20h. Des bisous. Bisous. Pour éviter les problèmes juridiques, pour faire appel à ce générique, il est super, il est fantastique, il y avait un solo de guitare électrique, on vient d'assister à un truc génial, et ce générique y met un point final. Pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin? C'est pour écouter ce super refrain, pour éviter les problèmes juridiques, pour faire appel à ce générique, il est super, il est fantastique, et à même un solo de guitare électrique. Rediffuser ce programme, ce serait magique, juste pour écouter ce générique. Merci aux gens qui ont participé, leur nom les filles, c'est super, j'en ai. Pour éviter les problèmes juridiques, pour faire appel à ce générique.